sac à vue par ici. Les connaissances du monde entier sont à portée de main. Ici, chacun pourra réfléchir au régime oppresseur auquel nous sommes tous soumis. Les poètes alexandrins, vous ai-je parlé d'eux, sont un groupe d'artistes dramatiques qui cherchent à promouvoir le libre arbitre dans tout le pays, quoi qu'en dise le pharaon. Même si le pharaon en place a tendance à émettre des édits arbitraires et despotiques, ici, à la bibliothèque, nous soutenons la liberté d'étudier, de tout étudier. Très bien, Sarapis. Et maintenant, où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Ah. Tu es Bayek, hein? Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses au vers d'Homère, hein? Par ici, viens. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Regardez, c'est Phanos! Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. C'est par là. Fais-moi confiance. Oui. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kemu. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Ah.
Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça. Pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. Ah. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Tu apprendras beaucoup de choses dans le bureau du scribe royal. Il passe le plus clair de son temps au bain. Fouille le palais en son absence. Et toi ? Je dois rester ici tant que j'ai Nadios sur... Qu'est-ce que c'est ? Un chemin qui mène au quai. Je n'arrive pas à croire que Phanos t'ait fait passer par la fosse. Je dois rester ici tant que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Je vais m'occuper du serpent. Voir ce que je peux tirer de ce Genadios avant de le faire taire. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au Panéon lorsque tu auras tué le serpent et Genadios. Mon cœur se languit déjà de te revoir. Le mien aussi, mon âme. Par ordre du Philakitai et Genadios, tous les habitants sont tenus de signaler les activités inhabituelles. C'est censé être amusant. Oh.
Demon. Oi, his knees on us after seeing it. C'est calme aujourd'hui. Tu ne savais c'est pas. C'est calme aujourd'hui. Eudoros est tu au bain. Tu ne savais pas. Eudoros est au bain. Tout s'explique. L'air du palais. Cherche à se faire tuer. Il ne sera pas déçu. Et qu'on interroge ceux qui travaillent sur les quais. Et quand je dis interroger... Ensemble. Elle protège le tirier. Mais que ce ne sera pas long. Il est à moi. L'arconte est à terre.
Je peux bouger. Pourquoi m'as-tu entraîné au pays des morts? Tu voulais tuer ma femme! Ta chienne de femme est une meurtrière! Elle a tué délibérément! J'ai fait mon devoir de Philakitai, et c'est pour ça que tu as pris ma vie. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay? Prends garde. Les Philakès te traqueront et se vengeront sans pitié. Puisse le cacher, marcher à tes côtés. Le seigneur de la droite attend.